Comment un village passe-t-il de ça à ça? Regardons de plus près la ville de Kfar Kela. À première vue, on voit un village où habitent des familles, où il y a des écoles et des parcs. Mais si vous regardez de plus près, vous trouverez un bunker caché. Sous ces maisons se trouvent des tunnels de dizaines de mètres de long, qui abritent toutes sortes d'infrastructures terroristes. Le Hezbollah a tiré parti des villages civils libanais pour atteindre ses objectifs terroristes en y intégrant son infrastructure terroriste. Le Hezbollah a créé un centre terroriste à Kfar Kela et prévoyait d'utiliser ce village, situé à environ 300 mètres de la ville israélienne de Metula, qui a été détruite par le Hezbollah et complètement évacuée, pour envahir Israël à travers l'opération « Conquérir la Galilée ». Le Hezbollah transforme ses villages en infrastructures terroristes et Kfar Kela n'est qu'un exemple où des armes, des lance-roquettes et des tunnels terroristes ont été découverts dans des zones civiles.